avant de commencer cette vidéo, vous allez faire une chose, vous allez vous abonner. C'est pas une obligation, mais ça serait sympa quand même. C'est un ordre, sinon je fais grève. Pourquoi je fais pas grève? Abonnez-vous, c'est gratuit. Bonne vidéo, bon visionnage. Mais ils ont juste appuyé sur un bouton. Calme-toi, Choupi. Oui, c'est vrai. Regarde comme c'est beau là, pourquoi t'es énervé? Et pourquoi tu me tires sur le bras là? Parce que tu me mets ton bras devant la tête. Mais n'importe quoi. T'as dit qu'il était sûr que c'était mardi. Eh, moi, j'ai pas. Ah, moi, je suis sûr que ce sera mardi. Ce qu'il nous avait dit lundi et pour sure mardi. Et pour sure. On a mal dormi cette nuit, on s'est fait secouer. Et moi, là, j'ai épouille, donc il y a presque des fois, vous avez envie de vous dire, putain, on va rentrer en marina. Ouais, mais ça fait des frais, quoi. Bah oui, ça fait des frais. C'est très important de retirer tous les appendices débordants de Black Lion. J'ai la voyage qui est ouverte, excusez-moi. Celui-là, il faut que je le range aussi. Donc le bout dehors et l'hydrogénérateur, parce que les appendices débordants, bah, ils sont mesurés. Black Lion fait 12 mètres, mais il y a 1 mètre de bout dehors et il y a 30 cm. Donc ça en arrive à 13 mètres 30, quoi. Je vais faire un petit coucou à Vincent pour le remercier. Parce que Vincent, vous savez, il est à Medidistance. Je dis Medidistance. Et il m'a donné plein de conseils pour mes lèvres. Voilà. C'était très intéressant. La pilotine, c'est une pilotine qui va arriver, le bateau qui va transporter le mesureur pour Black Lion. Donc il va arriver sur le bateau avec son décamètre et d'un bout à l'autre, on mesure. Et de là, il nous donnera un papier, il nous donnera des directives et nous partirons à la banque, à Citibank à Cologne, pour payer cash le passage du canal de Panama. Et après, on devra appeler, je crois, pour une date. On vous dira ça tout à l'heure. La vedette vient pour mesurer le bateau. Ils arrivent là. On va mettre les barbatages. Comment allez-vous? Très bien. What's your name? Salvador. Salvador. On a bien téléphoné pour prendre rendez-vous. Rendez-vous a été pris. On a téléphoné à 7h30. Et ils nous ont bien dit qu'ils venaient ce matin. 2, 3, 4. Ok. Le capitaine passe par-dessous, là, regarde. Donc il prend la mesure tout au bout. Et là, on a Salvador qui va prendre la mesure de l'autre côté. Ok. Ok, c'est fait. Maintenant, on va prendre la mesure de la largeur. 7 mètres. Donc il nous confirme bien qu'il va nous falloir 4 lignes de 40 mètres chacune, plus des défenses. Donc ça, si on les a pas, on peut les louer. Less than 65. You pay this total. Ok. When you finish, they return this. Ok. They give it to you back. Yes, okay. The deposit. Mm-hmm. Ok, 3 060 $. Donc on a le prix exact, on va avoir à payer 3 060 $ mm-hmm. à la Citibank. Et on va être remboursé de 1060. And give in the bank. Okay. Okay. Voilà. To pay for pay. Ok. Donc il va nous donner toutes les informations. Black Lion. On a reçu un numéro de passage. Anybody sick on board? Any person sick? No. Stowaways, animals, no. Pet, no. Cat, no. Dog, no. Area should be clean. Eh? Yes. Clean, clean. Your last port, San Marta. Do you ask for the engine? RPM, revolution, revolution. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Ah, ah, ah. Super sympa. Nous sommes tombés sur Salvador. Il est venu, il nous a tout expliqué, il nous a fait des petits dessins, des trucs comme ça, il nous a dit exactement ce qu'il fallait. On a tout compris en plus, bizarrement, en anglais. Il a expliqué super bien. Tout est fait. Non, il manque un petit truc. Le moment de se délester de 3060. On va essayer de traverser. Oh, mais je pense qu'on va se faire secouer, bébé. On va se faire mouiller. Il y a 3,5 milles qui nous séparent du Nautico Yacht Club de l'autre côté à Cologne. On sera à côté de la Citibank. On y va, on teste, on verra bien. Un 15 chevaux, une fois de plus, de pouvoir aller loin et vite. Et donc là, on va économiser le prix d'un taxi, 20 et 20, si on est accepté là-bas. Hein, c'est un risque qu'on prend, parce que les rumeurs disent qu'on ne peut plus y aller. Lui nous a dit qu'avec l'annexe. Avec l'annexe. Donc, on va voir ça. Nous sommes arrivés avec une traversée un peu mouvementée au club Nautico. On mettait l'annexe ici et on allait faire les papiers à la Citibank. Nous avons mis l'annexe juste derrière nous car le club Nautico est devenu strictement interdit aux plaisanciers. On a rencontré un monsieur très sympathique
Il nous a dit qu'on pouvait se mettre là en accrochant à la plage. Toutefois. Il faut bien accrocher. On a accroché un aigle, voilà. J'espère qu'on n'aura pas de soucis. Il nous a dit qu'il y avait d'autres plaisanciers qui l'avaient déjà fait ici et que c'est bon. Il disait que c'était voilà. Beaucoup plus simple pour faire l'avitaillement. Mais c'est sûr, c'était génial ici. Hein. Ça ne pas trop quand même parce que le vent va se lever. Et la tour de contrôle en fait de Palma, elle a volé complètement. Je vais la filmer tout à l'heure. Là. Ce qu'il y avait de bien ici, c'est qu'on était à côté de tout. Vous voyez, on descend de l'annexe. On est bon. Ouais, donc là, on est monté dans un taxi qui nous emmène à Citibank. Ça nous coûtait normalement 1,25$. Derrière nous, la Citibank. Tout était fait. Elle a tout fait. En fait, c'est pas compliqué depuis le début. Non, hein, non, si on regarde c'est bien. Pas compliqué. Ils font les papiers pour nous. Hein. C'est incontestablement le transport le moins cher et le plus efficace de Cologne. Il faut compter 1,50$, 1,25$, 2$, tout dépend de combien tu as payé là. Là, j'ai payé 4. Ah, c'était 2$. On était 13h40, on est parti à 10h30. Avant, on faisait tous les papiers dans cette tour. D'ailleurs, j'ai une photo, je vais la donner à Julie. On faisait tous les papiers ici, mais la tour a brûlé. Et les cargos sont échoués. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, on zigzague entre les cargos pour rentrer à Shelter Bay. Et voilà le retour. C'est fait. Ça, c'est nos papiers de la banque. C'est payé. Abonnez-vous. C'est pas tous les jours qu'on passe le canal de Panama. Quand vous venez, vous pouvez choisir votre façon de passer. Alors, ça s'appelle la center chambre. Là, vous passez tout seul avec 4 lignes. Là, c'est le side hall. Donc ça, il déconseille parce que vous êtes contre le mur et quand l'eau elle remonte, et ben, ça peut raguer le franc-bord du bateau. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait fait avec Pirate auparavant. Le cata au milieu et les, et deux, les deux monocoques. C'est bien parce que les deux monocoques, des fois, ça peut servir de parabattage. Et là, c'est avec un gros bateau et vous êtes amarré au gros bateau. Et voilà, et c'est le gros bateau qui fait tout. Ça, c'est notre numéro d'identification pour le canal de Panama. On a et encore ça, celle de Pirate. Il est un peu abîmé. On avait le 3 016 114. 8 ans après, on a 6 024 066. Ça, c'est le règlement. Ils nous font signer un papier comme quoi ils ne sont pas responsables de tout ce qui peut se passer sur le bateau. Les casses des panneaux solaires qu'il faut couvrir. Si le bateau s'abîme, si les haubanages s'abîment, si n'importe quoi s'abîme, ils ne sont pas responsables. Donc, on signe une décharge. En dessous de 65 pieds, il n'y a pas de tarif entre 3 060 $ pour un bateau d'en dessous de 65 pieds. Et on récupère 1 060 après notre passage. On a dit qu'on voulait traverser à partir du 22 avril. Je suis parti à l'aventure, j'ai enfilé mon beau t-shirt. En plus, ça reste inaperçu quand on va observer les oiseaux. On est à, comment s'appelle cette île? Buenjo Naranja. C'est quoi, c'est une grosse tache? Tant pis. Nous sommes entre Portobello et Cologne et Shelter Bay. On s'est arrêté, on était en chemin et on se faisait défoncer. Que dans 10-15 nœuds de vent, là, une mer courte. Ouais, c'était pas terrible. Tiens, pourquoi tu t'arrêtes pas à Naranja Buenjo? Je sais pas quoi là, Kinder Bueno Naranja. Bon. J'ai dit, oui, tout ça, oui, on s'arrête, bon voilà, on s'arrête, on va vous montrer maintenant, c'est parti. Les bananes, on s'est absolument rien dit, on s'est regardé, puis on s'est esclavé. Regardez la dégaine de Choupi. Ça va très très bien ensemble. Un petit short à fleurs, hibiscus, un petit short coloré. La fashion Choupi, c'est avec moi. C'est quoi, c'est mou, c'est... Ouais, c'est un peu mou. C'est un peu mou. C'est super dangereux. Il y a un poisson pierre, c'est fini pour moi. Un poisson pierre dans l'herbier? Tu m'aurais dit un poisson herbier, j'aurais dit bon, si tu veux, mais un poisson pierre. Bah ouais, mais là, ça sert à rien d'aller. Bah oui, c'est vrai ça. Bon. On va prendre un café. Il n'y a que ça à faire. Mais oui, Majakou, il y avait un tombant là. C'est bon les bananes, je n'écoute que mon courage. Je descends. On est sur un WhatsApp avec toi, pour découvrir tous les plastiques. Ça passe par là ou plus par là? Ils doivent faire des campements ici. Ah ouais. Regarde, il y a des cocos. Ils... Hormis le mouillage qui est excellent, ça casse pas trois briques à un mouton. C'est comme ça quoi. On peut pas accéder en plus à l'intérieur de l'île. On va réessayer un autre passage, mais it's not terrible. La terre était si proche derrière nous, nous n'avons pas réussi à y aller. Oh non. Non, vous savez ce qu'on va faire les bananes, on va aller travailler, on va aller faire des vidéos. Ouais, ça va, au champ les tiens, ça va faire plaisir à ceux qui disent aller travailler. Nous sommes de retour à Portobello
Et incontestablement, je pense que c'est mieux d'arriver par donc la Colombie. Après, maintenant, je sais pas si on peut faire les papiers à Port-Venir. Avant, c'est ce qu'on avait fait parce que c'est galère. Alors, on essaie de remonter sur les San Blas, ben on ramasse. Hein. On a fait deux jours à Naranja, à Bojo. Et là, ce matin, on a fait que 12 000 pour arriver à Porto Bello. Mais dans Dino devant, et j'ai mis les moteurs et la houle est très très courte. Tranquillement, on va remonter sur les San Blas. Et cette semaine, c'est une semaine avant. Donc, on est de retour à Porto Bello, retour à la case départ. Nous venons d'avoir le passage de la Polizia à bord du bateau. Armés jusqu'aux dents, je ne sais pas si tu as vu, les mitraillettes qu'ils avaient à bord du bateau. 4 personnes. Ils ont pris les passeports, tout simplement, même pas le cruising permit. Ils nous ont donné un petit papier avec le numéro de police si toutefois il y avait un problème. Donc ça, je pense que c'est en rapport avec les narcotrafiquants. Et ils sont en train de faire tous les bateaux en ce moment-là. Un petit stop à Porto Bello, nous continuons notre route, nous arrivons sur Linton Bay. Donc le fait d'arriver à Porto Bello et d'aller sur les San Blas de ce côté là, bah, c'est pas top. On est vent de face, ce matin ils ont annoncé 5 nœuds et on est avec 20 nœuds de vent vrai, houle de face et deux moteurs allumés. On a le courant contre nous, c'est la merdasse. Donc dimanche qu'on arrive et on va attendre une bonne météo pour aller au San Blas. Après Linton Bay, on va incliner un peu plus, on devrait être au pré serré cette fois. La belle vie, sans amour, sans promesse. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre. Nous sommes au mouillage de Linton, on va aller un peu à la découverte, on ne connaît pas du tout. Nouveauté. Ouais, mais c'est bon, j'ai eu assez mal. Hein. Saint-Jatel, ils sont là près d'une maison abandonnée, donc c'est marqué parc national, c'est marqué qu'il est interdit de donner à manger. C'est le guide qui donne à manger les gâteaux et ben, le singe il attaque. On l'appelle le spider monkey. En Malaisie, donner à manger, du coup ça rend les singes agressifs. Après, il faut les laisser, il faut rien donner, surtout pas. Il est en liberté, hein. C'est une vieille maison, je sais pas ce qui s'est passé ici, peut-être qu'il y avait une entrée de parc. On va essayer de l'interviewer. Bonjour, moi Chopi, toi comment tu t'appelles? Ok. Donc voilà notre petite attraction de la journée. Il y a la jacuzzi qui se réveille le matin. Linton Bay. Donc il y a un gros travel lift énorme, sorte des grosses unités. Donc ça c'est l'intérêt de s'y arrêter. Bon, c'est un endroit où les touristes y passent et y repassent. Il y a des plages partout, il y a Isla Grande. On n'a jamais vu autant de bateaux abandonnés. Ça m'écœure. Il y a des dizaines de bateaux, soit coulés, soit abandonnés. Quoi, ceux qui ont coulé, c'est ceux qui ont été abandonnés. Et pourquoi ici au San Blas, je crois qu'on a rarement vu autant. Hein. Après, pour ceux qui rêvent d'avoir un bateau, ils sont pas super éteints. Hein. Ah non, mais tu rigoles ou quoi? Il y en a, c'est pas grand chose. Ouais. Il y a juste du nettoyage. Ouais. Hein. Mais il y a peut-être des coups à faire là, les bananes. Hein. Linton, je vais regarder la météo pour les San Blas. On s'y a arrêté, mais ça casse pas trois pattes à une jacuzzi ce truc-là. 6 dollars à journée pour faire garder le dinghy. Bon, j'ai rien compris. Je trouve que ça fait cher à journée. Bébé, le coffre, le frigo. Mince. Prise en flagrant délit. Ah bah merde, tiens, deux fois de suite. Ah mince. Ah mince. 6 dollars à journée, je trouve que ça fait cher. Par contre, 15 dollars à semaine, c'est correct. J'ai des bicotos. Elle a des bicotos, moi j'ai pris mon dos. Je peux pas. 1 dollar le litre, à peu près gasoil et essence. Donc ici Linton quand même, c'est le dernier bastion pour faire le plein de gasoil, je crois, avant les San Blas. Mais ici il y a une boutique aussi pas mal achalandée, où on a fait un petit plein avant d'y aller. Tu peux souffrir en silence s'il te plaît? Elle est forte ma petite femme. Bon, je fais chauffer les moteurs, ouais. On s'en va de l'autre côté. Donc il y a un petit passage là, on a la bonne lumière avec des waypoints. Et on va se mettre à Isla Grande pour demain, car demain on va partir sur les San Blas, si la météo est bonne.
On va s'avancer cet après-midi, on a la bonne lumière pour passer là et demain on partira directement de là. Il faut passer avec une bonne lumière. Regardez le récif juste à côté là. Et ça va être très très étroit. Là où il y a Jacouille, c'est assez étroit. Là, on le voit bien là, ça démarque bien quand c'est marron. Il y en a un autre petit ici là. Là, il y a le ponton. Et là, il y a un autre récif, donc il faut passer bien entre le ponton et le récif. Là, c'est bon les bananes. La grande, c'est là-bas là. Il faut vraiment avoir la bonne lumière. Tout ce bateau abandonné, ça fait trop de peine. Hein. On est carrément mieux ici les bananes, c'est fou. Hein. On n'était pas bien du tout avec la Jacouille à Linton, là, on n'a pas du tout accroché, là, je sais pas pourquoi. On est juste ici. Par contre, on s'arrêtera, je pense pas qu'on descende en annexe. Hein. Non, t'as mal au dos. Non, si on est ici, c'est pour partir au San Blas, et on descendra une prochaine fois, on reviendra de toute façon. Aujourd'hui, direction San Blas. San Blas, ça va être la dernière petite navigation un peu chiante, parce qu'il y en a vent de phrase. C'est chiant d'en monter au vent, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de récompense. J'ai fait un petit routage nord-est qui veut dire qu'on va être vent 45 degrés. À partir de 10h, le vent va passer plus nord, ce qui fait qu'on va se retrouver de travers. C'est pas si mal, c'est une des meilleures météos que j'ai trouvé pour y aller. Mais je pense qu'on va quand même se faire un peu défoncer car le courant sera contre nous. Ça, on va partir avec un riz et ça a l'air d'être couvert. Oh, mais ça a l'air d'être même bien noir derrière là-bas. Là. Je vais voir ça. On va attendre qu'il passe avant de partir. Ça là. C'est pour le dos de mon tuerie. Sorcière, enculé, salaud. Pareil, quand tu bosses ta femme. Hein, on a pris rendez-vous là pour mon dos là. Ça va pas être possible de naviguer dans le Pacifique avec ce que j'ai là. Ah non, faut pas faire n'importe quoi de ton corps aussi. Ça, bon, ça y est, pas mal au dos le chopier. Le sport ne peut pas faire de mal à la Jacouille. Maintenant tu vas remonter l'ancre et tu te dépêches. Et tu pourrais éteindre la lumière devant mon chasse-tête. Tu m'en demandes un petit peu trop là. Alors, nous allons sortir de là. Hier j'ai vu un bateau qui est passé et j'ai relevé ses points sur l'AIS. Il y a une grosse houle ce matin à la sortie. Donc il faut bien faire attention de bien passer au milieu. Là, là il y a du récif et là il y a du récif. C'est chaud quand même les bananes, hein. Regardez les rouleaux, c'est juste à côté de nous là. Là, il y a des sacrées vagues. Hein. La sortie est un peu flippante quand même. Ça déferle là et là-bas. Là. Et là-bas, ouais. Oh, regardez ça. Oh là, c'est impressionnant. Par moment, il y a des déferlantes énormes. Incroyable, je m'attendais pas à ça à la sortie. Hein. Juste à côté de nous, ça déferle. Le ressac ou le ressac. Ressac ou ressac. Moi je pense qu'on dirait sac parce qu'il y a deux S. Sinon on dirait Rezac. Donc ça irait pas non plus. Quand il y a un relief comme ça, on passe juste à côté, les vagues puissantes tapent dedans et ça revient. Et ça se mélange avec les vagues qui reviennent comme ça. Et ça c'est terrible. J'ai l'impression que ça se calme après. On va repasser toute cette zone. Donc il y a 4000 difficiles et impressionnants. Et franchement, on a fait des endroits. Mais la houle est énorme. Hein. On est pas mal. On n'a pas le bon cap, mais le vent va donner plus pour nous. Donc c'est parti. Hasta la vista, on arrête les moteurs. Avant de l'arrêter complètement, je vais voir comment se comporte le bâti quand même. Et on est au pré-serré, les moteurs sont arrêtés. Alors on est à 3 nœuds, 5, 4 nœuds, 40 degrés du vent. Mais le vent va donner pour nous. Donc on va être patient. On vient de choper un gros truc là sur la canne. Un ton, ça serait génial. Ah, je le vois là, il est pas très loin. Oh là. Ben oui, c'est quoi ce bordel? Je t'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ça, c'est le Jacouille tout craché. Alors, ça, c'est dingue. Voilà. Un tazar. Allez, c'est un truc de fou. La Jacouille pêche. C'est un truc de dingue. Alors là, c'est la première fois que ça arrive. Et l'hameçon, il est là. C'est le parcours du combat dans la Jacouille. Je suis barbouille les bananes. Regardez la tête à la Jacouille. Le poisson, la mauvaise mer, regardez sa tête. Ah, ça va pas.
putain. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Moi j'ai le dos cassé, là j'ai la couille, elle a la barbe à bouille. Ça va aller, on devrait y arriver. On va se démerder. Je te remirai dessus. Nous avons en visu les San Blas, pressérés, et sur la fin, comme prévu, le vent a donné nord, on n'avançait pas. Et là maintenant on est à 6h30. Et on va arriver à 16h au premier mouillage. Alors je vais voir la visibilité qu'on a parce que les cartes sont fausses ici au San Blas. Il faut qu'on puisse rentrer et 16h déjà un peu tard, la lumière n'est pas assez belle. Je demande un dernier effort à ma jacouille. Je sens mon doigt absolument sinon on est dans la merde. Nous sommes arrivés au San Blas. Et ça y est, la jacouille, on est à 100 mètres d'un bateau, on est trop près, on est trop proche. Oui, mais je le connais, ouais. Hein, ça aurait été nous à sa place, et ben il aurait dit, c'est quoi ce con qui vient nous faire chier juste à côté? Tu l'aurais dit. Et c'est quoi cette conne qui vient nous faire chier à côté là? Allez. Oui, mais du coup, si c'est moi qui fais des manœuvres, ben, je vais refaire des muscles. Quand on est arrivé par la Colombie, on était passé par là, et c'était excellent. Après, donc il y a encore 60 000 à faire, on va peut-être le faire en deux fois. Allez, on vient de quitter l'endroit où on était, Chichimé, et on s'en va au sud-est des San Blas, et c'est génial. On navigue comme sur un lac, avec 24 nœuds de vent, regardez ça. Regardez comment on est bien. Alors on passe à côté d'un récif qui n'est pas marqué sur la carte, qui est juste là. Il faut être prudent, il va falloir faire très très attention. Oh oh oh, 3,40 m sous la quille. Une fois de plus, un récif qui n'était pas marqué. 3,40 m sous la quille, alors c'était marqué 17 m sur la carte, donc faut être très attentif. Alors je viens de m'apercevoir un truc sur Navionix tablette, qui n'est pas le même Navionix traceur. Sur Navionix tablette, il faut se méfier de ce qui est entouré. Vous voyez en pointillé là, tac 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 tac. Et par contre sur Navionix traceur, et ben il y est. Alors les verres polarisants sont indispensables ici également au San Blas. Ça vous permet de ne pas avoir les reflets sur l'eau et de voir s'il y a un récif à fleur d'eau. Que les points d'Eric Baos sont marqués sur Navionix, ça ne regarde que moi, que votre responsabilité, mais finalement les cartes, je pense que depuis le temps, elles ont été recalées et recadrées, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Il faut se méfier simplement des sondes, tout n'est pas marqué sur Navionix tablette. On est tout seul. Nous sommes sur les traces de pirate.com, on y est passé le 3 janvier 2016. Nous sommes à San Tupile. Gracias Miami. Bananeros. Bananeros. Et il y en a là-dedans. J'avais marqué tous les waypoints qui sont enregistrés sur Navionix. Et en fait, ça devait être les waypoints à l'époque de Baos parce que c'est exactement la route que j'avais pris. Voilà, les cartes sont bonnes. Je vais vous faire voler le drone, il y a beaucoup de vent et mon Mi Mavic, je pense pas qu'il puisse résister. J'hésite à le faire voler. Je pense que c'est pas une bonne idée. Bon. Mi Mavic, s'il te plaît, fais que je ne te perde pas. Imagine si tu le perds là, tu loupes toutes les San Blas. Oui, mais il faut prendre des risques. 17 nœuds devant, tu peux le faire. Attends, il y a des rafales. Mais quelle idée hein. Mais pourquoi tu veux faire ça? Ouh là là, ça me fait des trucs sous les pieds. Je dis rien, mais je sens qu'il est, il est stressé là. Ça y est, il revient. Depuis la Thaïlande, merci Charlie Lisa, il est toujours là, toujours vivant, toujours debout, toujours vivant, toujours debout. Hey, sans les déconner, il en a fait des vols. Hein. Merci Mini Mavic. L'aventure des San Blas commence pour vous, ainsi que pour nous, ici. San Ignacio de Tupile. C'est une île qui est envahie de maisons de Kunas. Nous sommes avec vraiment les Indiens Kunas, des villageois hors des sentiers battus. Et plus on va remonter, et plus ça sera touristique. On va descendre, on va voir les Kunas. Spizzy Kunas, ça, j'étais sûre qu'il allait la sortir. Le nom du bateau. On a un truc à payer. Aucun. Ok, gracias. 10 dollars et pas de photo.
Pour une 10 dollars des sans-glace. Il ne faut pas falloir que ça passe à toutes les îles, hein. Il y en a 300. Loin des sentiers touristiques, mais dès qu'il y en a qui arrivent, ben, c'est pour sa gueule. Merci Choupi, merci Jacouille. On peut aller marcher no hablo espagnol. No hablo espagnol. Oui, quoi? Ah, la puerta. Ok. Gracias. Par là? Par là. Aquí. Okay. Non. Ah. Prohibido. Okay. Ça, c'est vraiment la tenue traditionnelle en fait des femmes kunas. Vous voyez les petites toutes maisons au bord de l'eau, là, au-dessus de l'eau, c'est les toilettes. Buenas. Buenas. Comment tu t'appelles? Si, ouais, tu parles bien. My name is Cyril. Cyril, hein? Comment ça va? Ça va bien. Et tu dis? Bien, ça va bien. Magali. Magali. Cyril. Comment tu t'appelles? Family même. Ah, c'est ta famille? C'est your family? Family? Ah. Magali et Cyril. Cyril. Nice to meet you. So where are you come from? From France. This is your family also? See my family here. Yes. Okay. Ah, okay. I live in here. Yeah. You born in this village? Ah, yeah. Yes. Au revoir. Au revoir. Ça c'est notre le papier. On a payé. C'est marqué un puesto turista. Alors on a payé 10 dollars. Je trouve ça normal, mais ce qui me gêne, c'est qu'il y a le congrès des kunas qui font déjà payer 20 dollars par personne et 60 dollars pour le bateau, je crois. Nous venons de trouver la déchetterie dans la mangrove. On s'approche, tout est brûlé là. Que ça soit brûlé plutôt que dans les océans. On vient de s'arrêter sur un îlot sur le côté ouest de San Ignacio de Tupilé. Yacht Club là, les bananes, ça vous dit ou pas avec la jacouille? On va être pas mal, hein. Ou sont à jacouille, c'est vous qui voyez. Ils sont à jacouille? Ah, ok. Et non, et qui c'est qui va leur faire ces les petites recettes? C'est pas toi? Non, c'est pas moi. Voilà. Vous suivez les bananes? Il y a une petite maison de pêcheurs, la cabane sur l'eau. C'est la cabane sur l'eau. Pendant que Jacouille termine son showman, regardez ça. Je fais un showman des bananes. Et on va aller voir cette maison de plus proche, ça m'intrigue un petit peu, on va aller voir ça ensemble. Ce sont des structures de pierre empilées les unes sur les autres et qui ont été mises sur un récif. Alors à quoi ça sert? Je sais pas, ben, quand on sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Et au revoir, San Ignacio de Tupilé, bye bye. Nous partons à Cayo Ratones. Et d'un seul coup ce matin, plus GPS, plus d'AIS. Je vais vérifier quand on va arriver le câble Seatalk qui emmène de l'AIS au traceur. Et si c'est ça, il y a un mammouth sous gravillon. Parce que ça veut dire que coup sur coup, j'aurai deux câbles Seatalk qui me planteraient. Ça voudrait dire que quoi, il y a des pannes programmées ou quoi là? C'est quoi l'histoire là? J'ai plus d'AIS, j'ai plus de GPS. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui disait est-ce que Black Island ne serait pas obsolète ou le bateau n'a pas été assez bien préparé. Il disait de toute manière, vous ne pouvez pas venir dans le bateau. C'est complètement con parce que le bateau, c'est ça.
Perte de connexion à AIS, pas de GPS, le truc qui me... Il s'est revenu deux secondes. Incompréhensible. Ah, ça y est, c'est revenu. C'est bizarre, hein. Il y a un souci. Bon, ça y est, c'est revenu. Là, je vais pas toucher parce que ça remarche. Alors, je sais pas comment on va faire pour y descendre. Par contre, il y a un récif. On va essayer d'y aller quand même. Je sais pas trop comment, mais on va essayer d'y aller. Caillou Ratonnès, essai pour descendre. J'ai cru, il y en a qui a passé par là. Non, non, mais je veux pas qu'il descende avec tes kayaks, il va se faire mal. Eh ben, on descendra pas alors. Ben, on descendra pas. Ben voilà. Un chien, tout ça. Sur les deux récifs, là, il y a une petite passe. J'espère qu'ils sont gentils. Là, j'espère que... Regardez ça, les bananes, comme il est beau. Vous voyez bien mes grichons. Oh là là, petit pépère. Oh là, oh là là. Oh mais attends, et putain. Bah, ils ont été abandonnés. Ah, il a que la peau sur les os, le pauvre. Ah, les pauvres chiens, ils ont été abandonnés. Ça fait mal au cœur. Hein. Ils sont venus il n'y a pas longtemps. Ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié celle-là, elle est déjà toute dépiautée. Là-bas, par contre, il y a un oiseau qui vit dans les cocos. Je vais essayer de vous le filmer là. Black Lion est là-bas, juste dans le fond. Il y a des habitations qui ont été abandonnées. Naviguer de nuit, je vous les conseille parce que justement à cause des cartes, des récifs qui ne sont pas tous indiqués. Mais en plus, regardez le nombre de troncs d'arbres qu'il y a autour. En saison des pluies, ça va être quelque chose de naviguer ici au Sambla. Ça va être chaud. Hein. Regardez ça. Une guerrière, toi. Ouais, j'ai oublié mes chaussures. Elle a oublié ses chaussures. On arrive près des maisons, on va savoir de suite si quelqu'un habite là-bas. Ils sont petits, les counasses, hein. C'est comme les Philippins. Ouais. Ils sont trop petits, même la jacouille. En fait, tu pourrais être counasse, toi. Ils sont plus petits que moi, même. Vas-y, essaye de rentrer, là. De toute façon, bah, sa tête. Donc ça, c'est leur maison de fortune. Et par contre, regardez, c'est catastrophique. Regardez ça. Il y en a partout. Ils font le feu dedans. Ah non, c'est pour faire cuire. C'est un barbecue. Ils ont pas peur de prendre feu avec les feuilles de coco dessus. Ouais, carrément, oui. On pense que c'est de l'eau douce, il y a des bananiers, il y a un régime de bananes. Je suis pas sûr qu'on passe une bonne nuit. Parce que ça roule. Hein. Il faut savoir souffrir pour vous faire connaître des belles choses, les bananes. On se fait rouler les bananes. J'en veux pour preuve, regardez mon rhum. Sans tricher, regardez. Regardez ça. Nuit, je pense qu'on va dormir dans le carré ce soir. Ça, c'est la technique Black Lion. On doit être protégé de l'île, mais la houle rentre de tous les côtés. On est tout seul. Des milliards sur la planète. On est tout seul. Bon. On va se faire secouer la tête. On va se faire secouer la gueule. Et on est tout seul. Ça, c'est sûr. Mais on est tout seul. Alors accrochez-vous les bananes. Cette nuit, ça va bouger. On va s'occuper. Eh ben, nous avons très très bien dormi. Because on a fait le lit dans le salon sur Blackie. C'est une petite astuce parce que nous nous retrouvons au pied de mât qui est juste là. Nous sommes au centre de gravité de Black Lion. Si on était dans une coque et comme ça bouge comme ça, et ben au bout de la coque, vous imaginez bien qu'on est comme ça. Alors que si on est là au milieu, et ben on bouge beaucoup moins. Pas con le mec. Depuis que nous sommes arrivés au Sambas, nous avons ce temps blanchâtre, couvert, qui donne une mauvaise visibilité pour naviguer en plus de ça. Donc déjà les cartes ne sont pas détaillées. C'est pas qu'elles sont fausses, ce point GPS a l'air d'être bon. On a des copains, ils se sont fait mesurer il y a deux jours et ils passeront que le 16. Alors on s'est dit que nous on avait prévu de passer en fin de mois, mais on est 1er avril. Et Jacouille a commencé à demander une date. Ouais, j'ai envoyé le message. Donc elle renvoie un mail et elle va booker une date aux alentours du, on a dit quoi? Du 26. Ouhouhou! C'est la première touche avec ta canne. Je l'ai vu. Ouhou! Vas-y, bonjour. Depuis Guadeloupe, nous avons la canne à pêche. Guadeloupe, nous sommes montés jusqu'à Saint-Martin. Saint-Martin, République Dominicaine, Haïti, Jamaïque, Panama, 3 mois,
zéro poisson. À traîner 24 heures sur 24 dans l'eau, zéro poisson. Inquiétez-vous sérieusement. On range la grand voile car l'entrée est assez délicate. Il y a un récif à droite et il y a un récif à gauche. Oh, on va être super bien là. Là aussi il y a un récif là-bas. Il y a 10 m 70. On va se mettre par là. Qu'est-ce que tu en penses, Zeria? C'est bon le récif? Non, non, je vais mettre là, ça va être bien. Ok, c'est parti. Je crois que c'est le meilleur mouillage qu'on ait fait depuis le début. Ouais, je crois qu'on sera pas mal ici. On va se mettre plus loin là-bas. On n'avait pas accroché. Voilà pourquoi on n'a pas accroché. Regardez le gros sac plastique qu'il y a dessus. Quand ça veut pas, ça veut pas. On s'y est repris à 3 fois. En fait, on a la Rocna, le soi-disant l'ancre la meilleure au monde, et on l'a chassé plein de fois. L'ancre commence à accrocher le sac plastique qui rentre dans la vase. Vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez, comment mettre une ancre. C'est mort. Ça glisse, ça fait du ski dans l'eau. C'est ce qui vient de nous arriver. Je vous dis pas la merde sous l'eau. Bonjour mon Kevin. C'est l'heure de la boule bleue, on est le premier. C'est le premier avril, ce n'est pas un poisson mon Kevin. Tu vas manger ces petites boules bleues et tu vas me faire des citrons dans ma vie, bordel de merde. Ça, ce sont les bateaux taxis qui passent sûrement d'île en île. Depuis qu'on est arrivé ici, ben ça n'arrête pas. Nous allons descendre sur Isla Tigre. Par contre, si nous faut encore payer, ce sera sûrement la dernière fois qu'on payera. Évitez de... Attention, parce que sur le côté là, il y a un fer détourné. Où ça? On va essayer du moins. Bon bah voilà, on s'en va, bah non, on vient de dire non, bah non, vous gardez votre île. On paye 250$ de cruising permit. L'autre jour, on a payé 10$. On s'est dit ok, ok, c'est pour la communauté. Mais normalement, on doit payer donc le Congress, donc le bateau, plus 20$ par personne pour naviguer dans les eaux en plus des Sanblas. Et là, ça fait donc la deuxième fois. Au début, il est arrivé à 10 pour le bateau et 3 par personne. Plus 5 par photo. Sinon c'est pas possible à chaque île, vous imaginez, on paye 16$ à chaque île. Donc là la dame m'a bien dit que les 250 qu'on paye à Panama, ça n'a absolument rien à voir pour les Sanblas. C'est pas un permis de croisière pour les Sanblas. C'est pas qu'on est radin, mais il y a un moment il faut arrêter. Je disais qu'il y avait 380 îles, il y en a que 60 qui sont habitées, donc on va éviter celles qui sont habitées. Voilà. Bah, du coup on ne peut pas avoir de contact avec la population sinon en payant. Il n'y a pas d'échange, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. On n'est pas dans ce monde là, nous. Tu me parles, on prend une photo et je te donne de l'argent. C'est ce qu'on vous explique tout le temps. Quoi. Ben on n'est pas les touristes qui sont là une semaine qui a payé 5$ pour être en photo avec un coulasse, quoi. Spizzy coulasse, quoi. Les 250$ de cruising permis, quoi. Je vous dis, il y a quoi? Porto Vélo, Rio de Chagres, 250$. Il faut pas les déconner, quoi. Qu'ils débrouillent avec les coulasses, quoi. Ils débrouillent avec eux, quand ils leur donnent une part là-dedans, mais là, il y a un truc qui va pas. On fait nos radars, hein. Non, mais c'est bon. Après, c'est normal qu'ils gagnent leur argent. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Mais non, mais on paye pas le congrès, le bateau, tout ça au départ là. C'est quoi, donc il y a la politique qui prend un côté, après il y a les villages, non mais il y a un truc qui va pas. Panama se prend 250 balles. Eh hey. Ça va quoi, 1,2 mille de Isla Tigres. Voilà, on est tout seul. Voilà, et on n'a rien payé. Spizzy Kunas. Voilà. Mais foutez-les-vous cette histoire. Ah c'est joli. Là on va être bien les bananes. Blackie est tout seul. Ouais. Accroché à l'arrière avec une ancre. Au cocotier. Oh, on va être bien la mimine. Oh, on va être bien. On est bien là. Hein.
loin, mais c'est bon. On vous dit tout, on vous cache jamais rien, mais San Blas, c'est aussi ça. Regardez bien. Regardez ça. Voilà. C'est triste. On se croyait tout seul, et d'un seul coup, t'as deux Instagrammeuses et un mec baraqué qui se promenait avec un 8 et un sous le bras. Mais d'où ils viennent? Ils vont pas rester là cette nuit. C'est décidé, les bananes, demain on reste là. C'est décidé, les bananes, je change de femme. Ouais, bah je change de mari alors. Bah oui, si je change de femme, je change de mari. On est super bien là. Je crois que c'est la première fois qu'on a un voyage aussi calme. On était bien énervé tout à l'heure par les spizikounas. Plus ça va aller, plus ça va être payant, parce que plus les gens vont payer, plus ça va augmenter. Déjà aux Antilles, ça avait commencé une fois, il y en avait un, il m'avait dit « Ouais, j'ai payé une langouste au Venezuela, c'est pas cher, c'est 20 dollars. » 8 ans avant, on les ramassait sous le bateau. Oups, j'aurais pas dû dire ça. On a eu un spectacle d'Instagrammeuse. Le jour où Tchoupi Jacou commence à faire ça sur la plage, faut s'inquiéter. Désabonnez-vous. On vous demande tout le temps de vous abonner, mais désabonnez-vous. Autre spectacle à nous, par contre, hein, ce soir, là, c'était un truc. C'est magnifique. Hein. Ils ont été déposés par une lancha sur un îlot, c'est un îlot désert, et pendant une heure et demie, elles se sont mises dans toutes les positions d'Instagram. Les trucs au coucher de soleil, leur Uber est revenu et là donc du coup maintenant elle rentre tranquillement chez elle. C'était très drôle. C'était très drôle, très intéressant, ça nous a bien occupé nous. Peut-être qu'elles sont connues, soit influenceuses, je sais pas, mais c'était sympa quoi. On a envoyé le mail, on a notre planification. Elle est planifiée pour le 26 avril. Vous devez nous appeler par téléphone au, avec le numéro, la veille pour confirmer l'heure du pilote et le jour de votre transit. Vous devez contacter la station de signalisation Cristobal via le canal 12 VHF pour obtenir des instructions. Ouais, je téléphonerai l'avant-veille quand même pour être sûr. 26 avril, on passe le canal. Le piton est à tout piller. Direction Nargana. 2,6 000 à faire, donc je vais aller au moteur. Nous sommes arrivés à Nargana, ça a changé depuis 8 ans. Il y a plein de bateaux, a priori, ce sont des bateaux de charter, parce qu'il y a une piste d'aviation qu'il n'y avait pas non plus auparavant. Je sais pas si on va descendre au village, mais il y a une chose qu'on voulait faire ici, c'est la mangrove. Il y a une rivière où là, c'est de l'eau douce qui se déverse. Est-ce qu'on y va en kayak cet après-midi ou pas? Ça dépend de ton dos, mon redoudo. Bienvenue à Nargana, c'est parti. Alors ici c'est un spot stratégique, c'est connu pour le remplissage de l'eau des bateaux. Et le bateau qui est juste devant moi là, il est allé chercher de l'eau tout au bout de la rivière parce que l'eau est douce. T'as vu où était le passage? Bébé, c'est à droite, tu vas t'échouer là. Toujours sur les traces de pirates.com, ça on l'a fait il y a 8 ans. C'est un vrai petit jardin d'Éden. Il y a des cocos, il y a des bananiers, il y a des citrons, il y a des taros, il y a des fruits du hourou, il y a... Oula, 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 oula. Il y a des mangues en pagaille, des ananas. Se sert de l'eau à boire. Regardez l'eau comme elle est claire en fait.
Impressionnant. Donc ça avant c'était un pipeline qui descendait directement de la cascade. On va direction, je suis pas sûr qu'on est jusqu'au bout quand même. Il nous a dit une aura. Une aura, mais en y allant vite. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et il me semble qu'il y a 8 ans, les dames faisaient le linge juste un peu plus bas. Ben, là où il y avait le sable. Oui, c'est ça. On prend l'eau au plus haut. Ensuite, un peu plus bas, c'est la lessive. Lessive douche. D'ailleurs, on l'a vu, hein, tous ceux qui sont revenus, là, ils étaient tous rincés et propres. Donc, ils en profitent pour se laver dans l'eau à boire. Merde, c'est une explosion de paysage. C'est rare de voir une termitière comme ça. D'habitude, ils sont toujours dans les hauteurs. On entend le bambou, écoutez. La vache, regardez la grosseur de ce tronc. Elle vient te mettre à côté, la bébé. Vous connaissez la grosseur des fesses à la jacouille, bah, regardez bien. Oui, il est énorme, ce tronc. On monte dans la source, on suit le tuyau. On ne peut pas se perdre, par contre. Là, on vient de croiser donc des jardiniers. Et on a essayé de se faire comprendre en disant combien de temps il y en a. Et oulala, là là, à chaque fois, il y avait oulala. Demi-tour. De toute façon, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'eau dans la cascade en ce moment. Hein. C'est marqué Chorio, je sais pas ce que ça veut vouloir dire, Chorio. On a rattrapé les jardiniers. Et juste un truc qui nous a pas échappé, c'est qu'ils ont tous des bottes et des pantalons. Et les pantalons. On s'est bouffé les pieds. Hein. Ce qu'il faut, c'est pour les serpents aussi, sûrement. On est rentré au bateau, c'était génial. Ouais, alors qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Ils ont l'eau. Et l'eau c'est quoi? L'eau c'est la vie. Mais ils ont l'électricité aussi. Ils ont l'électricité aussi. Ils ont le tourisme. Ils ont l'aéroport qu'il n'y avait pas il y a 8 ans. Nous avons quitté ce matin Nargana et nous sommes arrivés à Green Island. On est sur une petite île déserte. Bon, je voulais faire Koh Lanta mais j'ai pas pris nos foulards rouges et jaunes. Et là, regardez ce qu'on s'est pêché, un tourteau. De quoi avons-nous besoin de plus? En harmonie avec la nature, là les écolos. Ah, t'as tué un pauvre tourteau, t'as rien demandé, tu faisais confiance quand il passait par là. Il m'énerve cela. Nous arrivons au Cayo Hollandais. Il y a les points, donc sur l'avionis, je vous avais dit une fois, les points Baos. Donc je vais les suivre. Juste là, bébé. Le percepteur vient chercher sa dîme. Nous allons le filmer à l'insu de son plein gré. Hola, hola. Comment est-ce? Camiro. Magali. Et Cyril. Quanto es? 10. Comment s'appelle, Miguelito? Léo Negro. On peut. On peut aller. Tout. Ok. Perfecto. On peut pêcher? Si? Aussi? Visiteur, ya. Ok. Si? Ok. Ok, Ramiro. Gracias. Bueno, gracias. $10 par-ci, $5 par-là,
$3 et $4 et $3. $80 et Kunayala. $250 le micro-zi. Bon, le mec, il fait un dessus, par contre. Il fait un dessus et puis il autorise un mois. T'as eu un petit coup de frayeur ce matin au réveil. On est super bien, on a mis l'encre dans le sable, donc normalement, on bouge pas. Puis le matin, je me réveille, je vois la porte. Dis bonjour, banane. Bonjour, les bananes. Et je regarde le sondeur, il me met 30 cm. Là, il me met 60 cm, 70 cm. Je dis, c'est quoi ce bordel? Je dis, on a bougé. Alors, je me penche là, comme ça. Et là, je sais pas si vous voyez. Je dis, mais putain, mais on est sur l'herbier. On a chassé. Je prends mon masque, mes palmes, et je vais voir. Et on a un banc de poissons énorme, juste sous Blatty, qui me fait dérégler complètement le sondeur. Oh putain. Putain, c'est quoi ça? L'être humain au départ, il y avait juste à faire ça, un geste. Coco. Avec ça, vous vous êtes nourri, hein, parce qu'il y a l'eau et il y a la chair qui est hyper grasse. Il y a la chair, c'est hyper gras. Pêcheur, cueilleur, chasseur. C'était sur un voilier? Non, oui, privé bateau. C'est toi qui faisais la cuisine? Oui. T'as ta famille ici? Oui, non, ma famille habitait maintenant sur la ville de Panama. Ah, d'accord. Et toi, t'es tout seul ici? Oui, parce qu'on travaille maintenant pour le projet. Ah, d'accord. Il y a un projet ici, projet sur l'île ici, oui. Et comment t'as fait pour revenir de Tahiti? T'as pris l'avion pour Panama? Ah, pour l'avion, oui. Et du coup, maintenant, tu fais restaurant ici? Oui. J'ai préparé le dîner. D'accord. Il y a du monde en ce moment? Oui. Alors voilà, ça c'est les mola. C'est l'art local. C'est tout fait à la main. Il y en a qui font plus avec des animaux, d'autres plus avec des cygnes. Aujourd'hui, c'est sortie kayak, plongée aux cailles hollandaises, voir un peu ce qu'il y a. On va aller se pêcher à manger pour midi. On va se pêcher à manger. On a beaucoup aimé les cailles hollandaises. Donc on va bouger ce matin, on va aller à Coco Banderas. 8 ans de ça, on a planté 3 cocotiers. J'ai voulu planter un cocotier. Et il me semble qu'on est passé à côté l'autre jour et il me semble que ces cocotiers, eh ben, ils se sont épanouis. Donc le banc de sable, lui, il a bougé évidemment avec le temps, 8 ans après. Mais les cocos sont là. Thank you.
sente rien. Regardez tous ces cocotiers qui sont tombés. Alors, il y a l'érosion forcément, mais il y a la montée des eaux aussi. Il tombera bientôt comme les autres, dans l'eau là, à côté. Vous attendez, dépêchez-vous, j'ai soif. Dépêchez. 7 ans après, on est à l'endroit où on a planté les 3 noix de coco. C'est génial. À m'asseoir sur une ex, 5 minutes avec toi. Écoutez le bruit des vagues qui s'en va. Mon cœur, t'as de la chance ce matin. De l'anniversaire de mariage, je sais pas moi. Non. Eh ben toi, tu as de la chance ce matin. Tu sais pas pourquoi? Non. Ben parce que c'est pas que t'as une cloche à bord. On s'éclate sur la chaîne Black Lion. Nous venons d'arriver à Coco Bandeiro, l'autre partie de Coco Bandeiro, l'est de Coco Bandeiro, et c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est la rencontre. Deux chaînes YouTube vont se rencontrer. On va rencontrer Atypique, ils arrivent là. Signe Atypique. Alors vous êtes nombreux, nombreux, nombreux à nous dire, est-ce que vous avez déjà vu Signe Atypique? Ils arrivent. Eh ben voilà. On a rendez-vous. Ça y est, la rencontre va se faire. Deux géants de YouTube. Deux géants. Regardez avec qui on est. C'est notre plaisir, notre récompense, ouais. Nous, Marcel, son arrêt, c'est quand c'est que vous voyez le signe atypique? Quand c'est que vous voyez le signe atypique? Ça y est, on est avec vous. Ça y est, c'est bon maintenant, on les a vus. Les bananes, s'il vous plaît, allez vous abonner chez Atypique. Voilà. Abonnez-vous. Les pauvres, ils ont la GoPro 10. Ouais, c'est... Alors que nous, on a la 11. Nous, on a juste la 10. Je suis en train de faire un petit rhum, un petit punch. Ah. À Cyril, il faut acheter ça. C'est le meilleur presse. Lime que tu aurais vu, touche, tu vas comprendre. Ouais, ouais. C'est nous, le nôtre, on a acheté, n'achetez pas dans les grands magasins. Mais évidemment, c'est la merde. Le ça, truc va plier avant que la lime plie. On a plié Atypique. Et là, faut mettre le sucre. Les amis, avant de faire un petit punch, faut lécher la cuillère. Ah merde, c'est dégueulasse. C'est bon. Le reste de rhum. Hein. Le rhum, s'il vous plaît, comment bord de rhum? Ok. Ok. Stop. Deux glaces. Tu veux pas le rhum d'abord? Hein? 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 La glace? Elle est facile. Regarde-moi ça, cette présentation. C'est lui ce qu'il y a. Première fois qu'on voit ça sur le bateau. Waouh! On passe encore. Un bon moment. Un bon truc qui a de la stabilisation dans la caméra. Quoi? Je vous ai pas fait la recette, les bananes, mais je leur ai fait une tarte au chocolat pour Pâques. Merci. Merci. On l'a refait, plus sincère. Merci énormément, ma gueule. Tu commences à être chaud. Et demain matin, m'aimeras-tu un peu? Alors ici, ça s'appelle la plage. On vient de s'arrêter parce qu'il n'y a pas grand-chose. Vraiment, ça a été pillé. Et bon, je pense que c'est abandonné, mais c'était 2 dollars pour venir sur la plage et 1 dollar pour pêcher. Je répète, 250 dollars cruising permis, presque 100 dollars pour le Kunayala. Quand on descend sur une île, c'est 10 dollars pour l'ancrage. C'est 3 dollars par personne, c'est 5 dollars pour une photo.
On n'a pas le droit de pêcher au harpon. On n'a pas le droit de faire voler le drone. Et on vient d'apprendre que pour la sortie, ça serait nouveau, on va vérifier, il faudrait payer 100 dollars pour sortir de Panama. Mais alors ils ont tout laissé en plan, il y a plein de plastique comme ça dans l'eau, ils ont tout laissé dans l'eau. Faire tout ça, laisser à l'abandon, faire payer deux, hein, et puis en fait partir du jour au lendemain et puis tout laisser le bordel. Et laisser tous les petits morceaux de plastique, de tout ici. Et une tortue. Vous voyez les traces là, toc 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 toc, elle est venue là et elle a pondu là. Ça serait peut-être bien de baliser. Qui naîtront ici. Je vais dire que celui qui n'a pas compris, il faut pas marcher là. Polo, c'est le roi des cons. Hein. C'est pas grand chose, mais peut-être que ça va sauver quelques tortues. Comment t'es Yama? Apio. Donc nous venons d'avoir Apio à bord du bateau. Donc c'est très pratique parce qu'ici, c'est très difficile de s'approvisionner et il se débrouille. Il vient avec sa lancha et. Thank you.